Bonjour à tous, avec Soucy et Eddy. Ils vont tous les deux très bien. C'est bon de les voir ensemble comme ça. Nanda et Nanto sont partis il y a quelques jours secourir un crocodile marin qui avait été pris dans le filet et qui était détenu chez des gens au sud de Bornéo. Ils l'ont récupéré avec le département des forêts et il a été relâché dans le fleuve. Donc une bonne action. On n'a pas la toute dernière image parce que c'est Nanda qui filmait avec son téléphone et qu'il était un petit peu occupé au moment du relâcher. Mais bon, il est reparti dans la nature. Et puis vous qui me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on a reçu une petite femelle nasique sauvage, attaquée. On l'a même pas reçue, elle s'est invitée à la maison. Je travaillais au bureau et j'ai entendu des cris de nasique. Et il y avait cette petite femelle sur la clôture, côté de la maison, et qui touchait le fil électrique. Donc à chaque fois qu'elle se prenait une petite décharge, vous savez, c'est un fil électrique normal qu'on utilise pour les vaches, elle poussait un petit cri. Donc je me suis précipité pour aller la récupérer, et je me suis aperçu qu'elle était aveugle. Donc je l'ai attrapée, et vous allez voir les images. Andrew, ya, minta kandang cepat. Kok bisa? Minta kandang sayang. Ya, dia buta. Ambil kandang di bawah. Jatuh kah? Enggak, dia buta. Digigit matanya. Sama? Enggak tahu, mungkin apa namanya. Jatuh di alam enggak, Pak? Il se trouve que hier soir, vers 5h15, ce petit nasi est arrivé à la maison. Il était sur la clôture, à crier. J'ai cru qu'il était pris dans les fils électriques de la clôture. Donc je me suis précipité, je l'ai attrapé. Et j'étais surpris de pouvoir l'attraper parce qu'il n'offrait pas beaucoup de résistance. Et il a été surpris lorsque je l'ai touché. Donc je me suis de suite aperçu qu'il était aveugle. Donc je l'ai emmené à la maison et vous pouvez voir son visage, il est complètement enflé. Donc en fait on pense qu'il a été piqué par des insectes. Alors je sais, est-ce que c'est des, je pense pas que ce soit des fourmis de feu, mais plus des genre de guêpes ou je sais pas. Et ça a créé une cécité en plus de gros gonflements de son visage. Ce matin, même s'il a encore les yeux très enflés, on peut voir quand même qu'il commence à dégonfler entre les deux yeux. Et contrairement à hier, il réagit un petit peu au mouvement. Donc ça c'est une bonne chose. J'espère qu'il va très vite retrouver la vue. Il y a un œil qui semble bien touché quand même parce qu'il y a une marque blanche. J'espère que l'autre au moins va retrouver, il va retrouver la vue de cet œil-là. L'idée c'est évidemment de le relâcher le plus vite possible. Les nasiques sont évidemment tout autour de la maison très régulièrement. Il fait certainement partie d'un de ces groupes. Et lorsqu'il a eu son accident, il a été laissé derrière. Il s'est probablement déplacé au sol jusqu'au moment où il est arrivé à la clôture. Pourquoi je n'emmène pas à la clinique? Parce qu'à la clinique, il y a des gibbons qui sont en soins et il y a des fruits.
les fruits tombent au sol, les fruits passent d'une cage à l'autre, ça peut arriver quand les animaux laissent tomber les fruits avec les soigneurs. Et comme ce sont des singes folivores qui ne mangent que des feuilles ou des fruits qui sont vraiment pas mûrs du tout, très loin de la maturation, c'est extrêmement dangereux en fait de le mettre près de fruits qu'on donne normalement au gibbon. C'est pour ça que par expérience, ceux qui suivent Calaouette depuis longtemps ont connu Bobby, un autre petit nazique qu'on avait aidé à Calaouette. Donc là, l'idée, c'est de le garder jusqu'à temps qu'il retrouve un minimum la vue pour pouvoir le relâcher immédiatement. Et même si son groupe n'est pas aux alentours, c'est pas grave. Parce que comme il est d'ici, il connaît les nazis sauvages, il connaît l'environnement, il saura se débrouiller. Donc voilà, mais il fait mal au cœur parce que son visage est tout abîmé. Derrière moi, vous voyez les vétérinaires qui s'occupent du petit nazique, deuxième jour. Même s'il a commencé à s'alimenter, on a découvert aujourd'hui des plaies avec des abcès. Et il semblerait qu'il a été piqué non seulement au visage, mais aussi sur tout le corps. Et on n'avait pas vu ces petites blessures qui ont commencé à s'infecter avec ces abcès. Donc là, on lui a fait une injection pour qu'il s'endorme. Et on est en train de nettoyer tous les abcès et toutes les plaies. Alors qu'il n'a pas du tout retrouvé la vue en 48 heures, on voit qu'il distingue des formes, distingue la lumière, mais c'est tout. Donc on peut dire qu'il est toujours en soins intensifs. Et parce qu'encore une fois, je le répète, c'est un petit nazi qui ne doit absolument pas manger de fruits. Pour le moment, il est au bureau. On ne l'a pas placé à la clinique où il y a d'autres animaux, surtout des gibbons qui sont en soins et qui eux mangent des fruits. Donc c'est extrêmement important, donc je ne veux vraiment pas prendre le risque. Pour le moment, il est isolé ici avec les vétérinaires pour pas qu'il ait accès. J'ai vraiment peur qu'une banane tombe d'une cage de gibbon, roule près de lui, et voilà, ça pourrait être la cata. Donc on s'occupe de lui ici. Ça peut pas venir là. D'ailleurs.